Combien de socialistes vous ont suivi ? Un peu plus d'une trentaine, entre 30 et 35, je ne me souviens plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Est-ce que vous allez rendre publique la liste de ceux qui étaient prêts à voter, comme vous l'avez dit tout à l'heure ? Oui, je pense qu'on va le faire. Après, on va vérifier, peut-être dans les minutes qui viennent, que tous ceux qui ont apporté leur signature sont d'accord pour qu'on la rende publique. C'est une question de correction, mais l'idée générale était bien celle-là. Laurent Baumel, si on suit votre logique de vous opposer au gouvernement, pourquoi finalement ne pas voter la motion de droite et du centre ? Parce que la motion de droite et du centre, elle a un contenu politique. Elle dit il faut rejeter la loi El Khomri parce qu'elle n'est pas assez libérale. Nous, notre point de vue, c'est qu'elle est trop libérale. Il y a eu des avancées dans la loi El Khomri par rapport à la première version, mais il restait dans la version qui nous était proposée à l'Assemblée des points qui nous paraissent poser des problèmes du point de vue des valeurs qu'on doit défendre, en tout cas nous on le pense, en tant que député socialiste. Donc, si vous voulez, on ne va pas mêler nos voix à des gens qui contestent la loi El Khomri pour des raisons complètement opposées aux nôtres.